Yo tout le monde, c'est le Kuner. Aujourd'hui, petit tuto pour voir comment faire un trampoline TNT. Pas là-bas, c'est une surprise. Comme ceci. Je vous préviens, hein, je souhaite vous dire avant. Donc, ça marche pas vraiment avec toutes les versions, avec toutes les versions de Minecraft. Donc, moi, je suis en 1.8.1, comme vous pouvez le voir en haut. À gauche, si je suis pas con. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira. À tout de suite. Voilà, maintenant je vais vous mettre un petit récapitulatif de ce qu'il vous faudra. Donc avec ces choses, on va construire la base quoi. C'est la base. Voilà, on va faire un carré 3 par 3 de 1 de profondeur. Ensuite, vous allez prendre de la bedrock. Vous allez en mettre sur le tour comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre au fond. Si vous voulez, vous pouvez. Moi, je ne vais pas y faire parce que c'est chiant. Vous mettez votre redstone par-dessus, c'est vraiment tout simple, hein, d'accord. Bon, avec mon pack de texture, ça ressemble à ça, mais sans, je vous montre si vous voulez une petite photo à la fin. Ouais, parce qu'elle va pas durer longtemps, je sais. On peut se faire une petite folie comme ça en mettant vraiment partout. Après, c'est vrai que c'est un peu mieux si par exemple vous oubliez, je sais pas, de mettre de l'eau, au moins ça sera tout cassé. Comme je parle d'eau, on va la mettre. Vous allez en mettre juste au fond. Là, là, là et là. Pour que ça fasse une source infinie. Après, vous pouvez en mettre. Là, juste last time cette day. Je me suis encore chié. Désolé. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, on va dire, on va monter la redstone. Donc là, monter, ça sert à quoi? Ça va être pour appuyer avec le petit bouton. Et oui, j'avais oublié de le prendre. Voilà. D'habitude, on appuie, ça marche tout. Après, n'hésitez pas, mettez-y pas trop loin. Voilà. Ouais, ma TNT ressemble à ça. D'habitude, avec les packs de textures, ça rend tout pareil. Ça, on saute au même endroit. Ensuite, vous vous mettez sur TNT, vous appuyez, vous allez tomber dedans. Code en face, ce que vous voulez. Et là, bien sûr, vous partez en l'air. Et oui, la moindre des choses. Comme ceci. Bon, après, bien sûr, il reste intact. Je sais plus si c'était bien lequel, mais bon. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Et voilà. Après, vous voyez. Hein. Et voilà. Donc, juste une petite remarque. Ça peut marcher avec plusieurs étages. Et voyez ça par vous-même. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes restés assez longtemps dans les airs, beaucoup plus loin que les nuages. Hein. On pourra même pas y aller en fly. Si, ce serait très très loin. Mais juste une précision, hein, si vous faites ça, faites attention, parce que les répéteurs, j'ai pas vu. Je savais, bah, en fait, c'est que je ne savais pas que ça gardait les la redstone quoi. Donc si vous y mettez et que ça tombe, vous êtes dans la merde, bien.
Moi j'avais mis un bloc d'or, ça, hop, j'ai juste à couper et à remettre, et après ça coupe partout. Donc vous voyez, alors, vous pouvez essayer cela chez vous, et si ça marche, si ça marche ou pas, hein, dites-le moi dans les commentaires, et sur ce, ciao! Comme vous pouvez le savoir, ou pas, hein. Donc il y a différents matériaux, hein. Bah, il y a différents matériaux, ouais, pour sauter, pour faire un trampoline. Donc un trampoline qui serait un peu plus classe et qui marcherait tout le temps serait avec ça. On va bloc. Peut-être que vous voyez déjà ce que je veux dire. Le bloc de slime, par exemple. Hein, le bloc, hein. Pas l'œuf, hein? Le bloc. Regardez. On va. On peut en mettre un peu. On va faire comme tout à l'heure. On va faire 3. Ensuite, on va. On se met là. Et on lâche. Voilà. Et on a un trampoline. Et c'est déjà vachement plus joli. Que de la TNT, hein. On est d'accord. Et si on se met où? Non, on éclate d'un coup. Je précise que je ne vole pas, hein, comme ça. Sinon, essayez aussi chez vous et vous verrez.